Comment investir dans l'immobilier comme un pro? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, très cher entrepreneur de l'immobilier. Je m'appelle Manuel Ravier. Je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. J'ai des locaux commerciaux, des immeubles de rapport, des appartements. Je suis également cofondateur de la société investissementlocatif.com, une société qui accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des projets clé en main très rentable, alors très rentable selon les villes dans lesquelles on intervient, c'est-à-dire qu'on surperforme le marché, on fait mieux que le rendement moyen du marché grâce tout simplement à une équipe d'une centaine de collaborateurs pour gérer les projets de nos clients et peut-être ton projet si tu as fait appel à nous. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, on va rechercher une bonne affaire sur le marché grâce à nos chasseurs immobiliers. Quand tu te positionnes sur le bien, on va à la suite de ça optimiser le plan, suivre les travaux de rénovation pour ton compte, faire un cahier des charges travaux très rigoureux en fonction des standards investissement locatif et ensuite meubler et décorer le bien pour avoir un effet coup de cœur et pouvoir proposer un loyer sur la tranche haute du marché parce que tu te retrouves avec un bien haut de gamme qui est tout simplement mieux que les autres biens qui sont proposés à la location sur le marché. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment investir dans l'immobilier comme un pro. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on s'est lancé avec investissement locatif en 2012, donc c'était il y a de nombreuses années et on n'a pas été aidé. Je n'ai pas eu cette vidéo que j'aurais voulu peut-être avoir à l'époque. Je n'ai pas eu une vidéo récap qui me montrait une espèce de carte de l'investisseur qui me permette d'appréhender les différentes problématiques, les différentes thématiques, les différents points auxquels j'aurais dû faire attention en tant qu'investisseur. Donc j'ai fait plein d'erreurs, tout simplement, tu le sais. Alors c'est pas grave avec du recul parce que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on développe aussi son patrimoine et les erreurs ne sont pas forcément toutes très graves. Certaines peuvent être coûteuses en argent ou en temps ou les deux parfois. Et donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo. Si tu souhaites te lancer, si tu as déjà investi dans l'immobilier, donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te livrer des pépites et je suis persuadé que ça va t'aider dans tes investissements immobiliers. Alors le premier point, et je ne connais pas ton niveau en tant qu'investisseur, je ne sais pas si tu es débutant, si tu es confirmé, mais c'est de bien calculer ta rentabilité. Ça peut te paraître simple parce que sur la chaîne Investissement Locatif notamment, on a beaucoup de vidéos dédiées au calcul du rendement locatif. Mais le rendement locatif, je le dis toujours, c'est la boussole de l'investisseur. C'est la boussole qui montre le sud, le nord, qui va t'aider à prendre tes décisions en tant qu'investisseur, que tu sois débutant ou confirmé. Alors rendement locatif, il y a plusieurs types de rendements, le rendement net, le rendement brut, le rendement net-net. Mais ce que tu dois garder en tête, c'est que ça te permet de comparer deux projets ensemble. Alors attention, il n'y a pas que le rendement, je le dis le plus souvent sur la chaîne aux débutants. Parfois, on est aveuglé par un rendement théorique. Il n'y a pas que le rendement qui compte. Il y a bien entendu plein de facteurs dans l'immobilier. Mais ça te permet en un coup d'œil de voir si par rapport à tes objectifs en tant qu'investisseur, ce bien-là va être adapté à ton projet d'investissement. Ce qui est un petit peu ingrat, ce qui est un peu compliqué avec le rendement, c'est qu'il est calculé en fonction de plusieurs variables que tu ne maîtrises peut-être pas, surtout quand tu es en début de projet et surtout si tu es débutant. Et notamment le rendement, c'est tout simplement un ratio entre les loyers futurs que tu vas encaisser. Donc là, je t'invite à savoir combien tu vas encaisser. On va en parler dans cette vidéo. Comment évaluer tes loyers futurs? Comment ne pas les surévaluer? Faut-il croire l'agent qui te fait la visite et qui te dit « mais vous inquiétez pas monsieur, les travaux, il y en a pour que dalle. Les loyers, ça va être magnifique, on va louer très cher en faisant du bas de gamme. » Est-ce qu'il faut le croire? Comment vérifier ces loyers-là? On va en parler dans cette vidéo. Je vais revenir en détail sur tous les points. C'est une mini formation que j'ai voulu livrer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout et pense d'ailleurs à mettre un like si la vidéo te plaît, à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Le rendement donc, comment évaluer ses loyers futurs, on va en parler dans la vidéo et également comment connaître tous les coûts dès le départ. Et c'est là que ça se corse parce que c'est facile de savoir quel va être le prix d'achat, c'est assez simple de calculer les frais de notaire, il y a des simulateurs en ligne sur les sites de notaire. Je t'invite à taper simulateur frais de notaire, tu vas très vite savoir combien pour le prix d'achat du bien en fonction, si tu fais une hypothèque ou pas, combien ça va te coûter en frais de notaire. Mais c'est plus compliqué d'évaluer potentiellement des travaux, de l'ameublement, c'est plus compliqué d'évaluer des loyers futurs et donc de calculer un rendement réel. C'est aussi, et c'est un point qui est important à prendre en compte, plus compliqué d'évaluer une éventuelle vacance locative. Attention quand tu te lances dans le calcul de ton rendement locatif de ne pas être trop enthousiaste dans le calcul justement de cette vacance locative. Si tu es dans une zone qui n'est peut-être pas une zone tendue, si tu es à la campagne, si tu es dans une zone qui peut être intéressante quand même, mais prends en compte le fait que peut-être les étudiants dans cette ville où la zone n'est pas tendue n'auront pas envie de conserver un loyer pendant 3 mois d'été alors qu'ils n'ont plus cours. Pourquoi? Parce que c'est peut-être plus simple pour eux de quitter le logement et tout simplement d'en trouver un nouveau à la rentrée si c'est facile d'en trouver. Donc c'est tous ces points-là qu'il faut que tu prennes en compte pour calculer ton rendement locatif qui est vraiment
le premier indicateur, quand on a un investisseur, le premier indicateur, en tout cas financier, d'autres indicateurs sont importants, mais ils ne se matérialisent pas par le financier, notamment la situation du bien en numéro 1, l'état du bâti. Enfin, il y a plein de critères, mais ce critère-là, le rendement locatif, c'est le critère numéro 1. Le point numéro 2, quand on veut investir dans l'immobilier comme un pro, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, c'est, j'en parle encore il y a quelques jours avec un ami et qui me disait « Emmanuel, je suis en train de faire cette acquisition », je dis bah, « je suis très très content pour toi ». Et là, on arrive à ce point-là, le point du crédit. Et il me dit ça, pourtant c'est quelqu'un qui est un ami d'enfance, hein, que je connais depuis très très longtemps, je te salue Rémi si tu regardes la vidéo. Il me dit « mais Emmanuel, j'ai cette proposition de crédit, qu'est-ce que tu en penses ?» Et il m'envoie, parce que c'est encore une fois, je le connais depuis que j'ai 3 ans, on était à la maternelle ensemble, et il me dit « j'ai ce crédit-là, ce taux-là, je trouve qu'il n'est pas hyper bon ». Et là, ce qui me saute aux yeux, eh bien, c'est qu'il a mis énormément d'apports alors que ce n'était pas demandé par la banque et que d'autre part, il a pris une durée d'emprunt très courte. Donc, je lui explique la logique de ce qu'est l'investissement immobilier. Je lui dis donc, Rémi, tu as 33 ans, donc tu as possibilité d'étaler sur une durée longue. Tu achètes en plus pour ta résidence principale. Il investit pour sa résidence principale, ce qui n'est pas forcément la chose à faire, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais là, je lui dis, le problème, c'est que tu vas venir me voir dans 2 ans. Tu vas me dire, Manuel, j'ai fait ce projet-là, c'est super. Maintenant, je vais investir dans l'immobilier locatif. Parce que c'est sûr que ça va arriver, je le sais. On se parle régulièrement, son business décolle, il est dans le bâtiment. Et donc, je lui dis, ça va arriver. Et quand ça va arriver, la banque va te dire, bah, vous avez privilégié une durée très courte d'emprunt et donc vous êtes bloqué sur votre capacité d'endettement. Le point que je voulais soulever avec toi pour investir dans l'immobilier comme un pro, encore une fois, et pour ne pas te bloquer pour le futur, pour pouvoir développer un patrimoine rentable, un patrimoine massif, eh bien, c'est tout simplement d'étaler au maximum, surtout pendant cette période de taux bas. Alors je sais, on n'arrête pas de dire que les taux remontent de 0,2, 0,3. Les taux restent à un plancher historique. Ils sont peut-être un tout petit peu plus hauts qu'il y a 3 mois. Est-ce que c'est important quand on est taux à 1%, 1,2, 1,3, 1,5 ? Ça reste très bas. Donc, je lui ai dit, étale au max. En plus, tu achètes pour TRP, mets-le sur 25 ans et mets moins d'apport possible. Tu as du cash disponible ? C'est très bien. Conserve-le, ça peut te servir pour ta famille, pour tes projets. Il m'a répondu quelque chose d'assez logique hein, pour des gens qui ne sont pas investisseurs immobiliers. Il m'a dit, Manuel, le cash aujourd'hui n'est pas rémunéré. Je le laisse sur des comptes. Avec l'éventuelle inflation, je perds de l'argent. Je lui dis, mais tu as raison, tu perds de l'argent. Pourquoi ne pas utiliser ce cash pour peut-être un apport futur sur un autre projet immobilier? Pourquoi ne pas utiliser ce cash pour investir, pourquoi pas en bourse? Peut-être des opportunités, il y a peut-être des actions qui génèrent du rendement. En tout cas, tu n'as pas forcément intérêt à mobiliser énormément de cash. Donc, tu mets juste l'apport que la banque te demande sur ce projet-là et pas plus. Et ça te permet de garder de l'apport pour sécuriser ta famille et surtout, pour que demain, si tu souhaites faire un second, un troisième, un quatrième projet d'investissement locatif, et ça arrive très vite, on se pique souvent au jeu, eh bien, tu puisses dire à ton banquier, regardez, j'ai encore de l'épargne parce que je gère bien mes comptes. Oui, j'ai des crédits, mais j'ai étalé cette dette, donc j'ai une capacité d'endettement et j'ai en plus de l'apport potentiel à mobiliser pour ce second projet. Voilà, donc en 1, on l'a vu, ne pas négliger le rendement locatif qui peut être un indicateur hyper important. En 2, eh bien, investir avec l'argent des autres et en l'occurrence avec l'argent de la banque. En étalant dans la durée, c'est valable tant que les taux sont bas et en mettant le moins d'apport possible, ça ne veut pas dire mettre zéro apport, ça veut dire mettre l'apport nécessaire pour que la banque accepte de te suivre dans ton projet. En 3, eh bien, c'est la fiscalité. Je vois trop souvent des erreurs, des gens qui, je ne vais pas en reparler longuement, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais qui font des mauvais choix avec de la location nue et qui se font saigner par les impôts, qui sont dégoûtés et qui viennent me voir et qui me disent « Manuel, à la fin de l'année, les impôts m'ont demandé tant ». L'immobilier, franchement, c'est pas intéressant. Et même, d'ailleurs, je te plains parce que tu as 60 lots, ça doit être dur. Franchement, tu dois avoir du mal à boucler les fins de mois avec tout ce que les impôts te prennent. Je le vis très bien. Je ne paye aucun impôt direct, en tout cas aucun impôt sur le revenu, sur mes loyers avec 60 lots. Pourquoi? Parce que j'ai des biens qui sont détenus à travers des SCI à l'IS. Donc, je paye dessus de l'IS sur le résultat. Et ensuite, eh bien, je ne distribue pas l'argent parce que j'utilise pour réinvestir à travers un système de holding, etc. D'autre part, j'ai du LMNP réel ou LMP, ça va dépendre de ta situation. En l'occurrence, moi, LMNP, parce que mes revenus locatifs au LMNP, donc j'en ai une partie, comme je te le disais, j'en ai une partie dans des sociétés, une autre partie en direct. Mes revenus locatifs en direct sont inférieurs à mes revenus de travail et donc je suis LMNP au réel. Donc voilà, donc grâce à ça, eh bien, ta fiscalité est maîtrisée. Ça va te permettre eh bien, d'utiliser éventuellement le cash flow ou tout simplement d'utiliser l'argent qui rentre pour rembourser tes crédits et non pas que ce soit une espèce de panier percé. On prend toujours l'image du seau percé où tu remplis d'eau. Donc, il faut imaginer les loyers qui rentrent dans un seau. Il y a des trous. Et les trous, en fait, c'est l'eau qui s'en va et qui s'en va vers les impôts. Donc, c'est de la perte. Alors, attention, je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas payer d'impôts. Je ne tiens pas de discours moralisateur sur l'impôt. L'impôt, je te rassure, l'État ne t'a pas oublié. Tu les payes quand tu achètes le bien sur les frais notaires, les fameux droits de mutation.
tu vas en payer à la suite de ça. Mais en tout cas, dans les premières années, le but en tant qu'investisseur, c'est d'essayer de décaler au maximum cet impôt sur tes revenus locatifs pour être en mesure de rembourser tes crédits et d'affecter l'argent qui rentre eh bien, au développement de ton patrimoine immobilier. Le quatrième point, et c'est encore toujours des exemples que j'ai dans mon entourage, c'est de ne pas céder aux sirènes de la défiscalisation. Encore aujourd'hui, j'ai un ami qui m'a envoyé un truc sur du Girardin industriel. Alors, je te salue, Anas, si tu vois cette vidéo. Le Girardin industriel, ça peut être intéressant, hein, peut-être pour d'autres. Personnellement, je n'ai pas envie de le faire, hein, parce qu'il y a un risque fiscal qui est assez élevé, il y a eu des redressements. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Si tu es spécialiste du conseil en gestion de patrimoine, tu vas me répondre, tu vas me dire oui, mais ça dépend, il y a des sociétés qui font n'importe quoi, mais si tu passes avec un partenaire sérieux pour faire du Girardin industriel, ça peut être intéressant. Personnellement, je ne dis pas que ça ne l'est pas, je ne l'ai jamais fait, donc je ne vais pas critiquer, mais on me l'a déconseillé. Mes conseillers experts comptables, mes conseillers fiscaux, j'ai rencontré des CGP qui m'ont dit les avantages et les inconvénients, j'ai arbitré et je me suis dit que ce n'était pas forcément intéressant. Et on a souvent essayé de me vendre des dispositifs immobiliers. Et là, c'est intéressant d'en parler, notamment le Pinel, par exemple, pour ne pas le citer. Alors, est-ce que ça veut dire que le Pinel, ce n'est pas intéressant? Ça ne veut pas dire ça. Il y a toujours des programmes qui sont meilleurs que d'autres, mais globalement, je te garantis que ça ne sera pas intéressant. C'est un fait. Pourquoi? On te donne une carotte fiscale, concrètement, on t'impose sur les revenus locatifs et en revenus fonciers. Parce que quand tu fais du Pinel, tu n'es pas en SCILIS et tu n'es pas LMNP réel. Tu ne peux pas faire de location meublée en Pinel. Donc, ça veut dire quoi? Tu achètes en Pinel, tu as ta carotte fiscale, ton petit avantage fiscal, qui peut être d'ailleurs important. Et de l'autre côté, l'État te dit, mais attendez monsieur, il va falloir payer quand même vos impôts sur les revenus locatifs générés. Ça, on ne vous en fait pas cadeau. En fait, on te donne d'une main, on te reprend l'autre. Et par contre, tous les points négatifs autour du Pinel, que tu as acheté souvent, alors, il y a toujours l'exception, hein, trop cher par rapport au marché, parce que le vendeur de programme neuf en Pinel, il sait très bien que tu es aveuglé par la carotte fiscale, donc il te met ça en avant. Tout le temps, il te dit, mais la carotte fiscale, la carotte fiscale, la carotte fiscale. Et au final, eh bien, tu signes un truc plus parfois pour l'avantage fiscal que pour le bien en lui-même. Après, il y a plein d'autres désavantages. Mais en tout cas, moi, je trouve ça pas très intéressant. À l'époque, j'avais fait un rendez-vous mystère avec une boîte parisienne qui fait du Pinel, à titre perso, pour ma culture immobilière. Et je vais te dire la vérité, je les avais trouvés exceptionnels. À côté, je pense qu'on est des très mauvais vendeurs chez Investissement Locatif. Alors, on a des très bons produits, c'est ce que je pense, mais ils vendent mieux que nous. Parce qu'en Pinel, tout est dans le marketing. J'étais arrivé dans des bureaux de malades à Madeleine, donc des bureaux haussmanniens, tout était impeccable, incroyable. J'avais un conseiller qui était juste incroyable, un costard magnifique, comme dans les films américains, les cheveux gominés en arrière, le sourire bright, les dents blanchies, c'était vraiment, je n'en rajoute pas, c'était incroyable. Le smile, et donc là, je fais le rendez-vous, il était exceptionnel. J'ai rarement, enfin, dans ma vie, je pense que c'est peut-être le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré, toutes catégories confondues, c'était juste incroyable. Et donc là, il me fait sa déballe pendant 40 minutes, je pense. Avec le smile, il était au top, impactant, il mettait sur les arguments. Et pourtant, tu sais que j'ai une petite expérience immobilière. Et donc, moi, j'ai essayé d'aller droit au but. Je lui ai dit, écoutez, je ne lui ai pas dit ce que je faisais, mais je lui ai dit, écoutez, je connais déjà le dispositif Pinel. Est-ce que je peux voir des programmes pour me faire une idée sur le programme en lui-même? Et là, la réponse était magnifique parce qu'en fait, tout est scripté. Sur le premier rendez-vous, il n'y a pas de programme. Donc là, ce qu'il m'a dit, monsieur Ravier, on se calme. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de votre avantage d'impôt, le fameux, et pour que vous compreniez bien le dispositif. Et ne vous inquiétez pas, on se revoit dans 7 jours. Et dans 7 jours, là, je vous montrerai le programme. Je n'ai pas fait le deuxième rendez-vous, mais en fait, la logique, c'est toujours la même. C'est-à-dire que la première fois, il vous aveugle. Mais encore une fois, je ne leur jette pas la pierre. Chacun est libre de souscrire ou pas. Hein. Mais si tu as déjà fait un rendez-vous Pinel, tu sais que c'est comme ça. C'est soit en 2 rendez-vous, soit en 3 rendez-vous, et c'est les meilleurs vendeurs du monde pour moi. Si c'est un bon vendeur de Pinel, encore une fois. Donc, premier rendez-vous, il t'aveugle, il te fait tous les schémas, il te montre comment tu vas économiser de l'argent et donc il enlève une douleur. Et ça, c'est hyper important. Toute personne essaye de s'enlever une douleur. Et la douleur de l'impôt, quand tu payes 1 500, 3 000, 4 000, 10 000, il n'y a pas de limite avec l'impôt sur le revenu, tu le sais, bah, tu as une douleur très forte parce que ça te fait mal à la fin de l'année. Alors maintenant, c'est mensualisé, mais tu vois la douleur, tu dois sortir de ta poche pour donner à l'État. Et c'est dur. C'est dur surtout quand tu es dans des tranches hautes et ils jouent là-dessus. Donc, ils te disent, moi, ce que je vous propose, c'est ça vous embête de payer des impôts? Ah bah oui, même si j'aime bien contribuer, là, c'est trop. On est d'accord que les impôts, pour les gens comme vous, monsieur Ravier, sont trop élevés. Même si on aime contribuer. Oui, bien sûr, ils sont trop élevés. Eh bien, moi, j'ai la solution. Et en plus, je vous fais investir dans l'immobilier. Ça vous demandera qu'un petit effort de quelques centaines d'euros mensuels. Voilà comment ils vous le vendent. Donc voilà, donc si tu as déjà fait ce type de rendez-vous, tu sais qu'ils sont exceptionnels, ne te laisse pas influencer et garde en tête le concret. Un, tu vas payer des impôts sur tes revenus fonciers, donc en fait, ce qu'on te donne, on te le reprend. Deux, souvent les programmes,
eh bien, sont mal situés dans la ville, souvent en périphérie, là où les constructeurs trouvent des terrains, tout simplement. Les loyers sont encadrés. Tu vas acheter trop cher par rapport au marché. À la fin, eh bien, tout le monde libère, potentiellement revend en même temps parce que tout le monde est sur la même durée avec le Pinel. C'est 6 ans, 9 ans, 12 ans. Donc, on a des échéances. Donc, imagine, tu as un programme et tu as 10 biens à vendre en même temps dans le programme. Bah, tu te doutes que ce n'est pas forcément la meilleure optique, tout simplement. Alors après, tu peux bien sûr le garder sans Pinel. D'ailleurs, c'est plus intéressant. Mais voilà, donc tu es quand même collé pendant de nombreuses années avec quelque chose qui n'est pas forcément optimal. Est-ce que ça veut dire que c'est mieux de ne rien faire que de faire du Pinel? Non. Faire du Pinel, ça peut, si tu as acheté un bon produit, et moi j'ai plein de gens qui vont répondre sous cette vidéo, je t'invite à me le dire en commentaire, dans les commentaires de la vidéo, qui vont me dire « Manuel, moi j'ai acheté il y a 10 ans un cellier, un robien, etc. C'était super intéressant et je m'en frotte les mains. » Bien entendu, surtout avec la hausse des prix de l'immobilier, c'était un excellent placement avec du recul. Est-ce que ça veut dire que si tu avais acheté dans l'ancien avec les bons dispositifs en centre-ville, tu n'aurais pas gagné encore beaucoup plus d'argent? Je te garantis que ça aurait été le cas. Tu peux télécharger des choses qui vont t'aider, notamment pour le dossier bancaire, directement dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me mettre un like si la vidéo t'a plu, ça m'aide énormément. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Alors le cinquième point, c'est d'opter pour des biens qui s'autofinancent. Alors qui s'autofinancent, ça ne veut pas forcément dire que le bien sans apport doit s'autofinancer. Dans ma bouche, ça veut dire que tu vas mettre l'apport nécessaire pour que ça ne soit pas ensuite, chaque mois, eh bien, difficile de compléter.